Allez, j'en peux plus de sa gueule. J'en ai ras le bol avec sa coupe de merde. J'en ai marre. Il est complètement fou. Niveau look, il est. Non, non, mais il est complètement dingue. Il est fou. On dirait un malade mental. Moi, je suis très, très sensible. Je ne peux pas parce que je sens les vibrations. C'est ça aussi d'être artiste, c'est d'être super émotionnel, d'être complètement psycho. C'est que vous ressentez toutes les choses, un peu comme une sorcière. Il y a des gens qui peuvent être là, ça me dérange pas. Mais il y a d'autres où je sens les dégager. J'aurais demandé gentiment. Donc, j'ai dû sévir et faire un peu à la maîtresse d'école. En France, on vous connaît pas. On vous connaît plus aujourd'hui. Bon, si, j'ai fait pas mal de télé, là. Oui, mais vous c'est êtes... pour ça que tu m'invites, si tu me connais pas. Vous êtes... Ah, style. Super. Ah, ils sont, Slick. Vous avez couché avec beaucoup de vedettes, en tout cas. Non, pas du tout. En tout cas, c'est mais apparemment, c'est toi. Hein. Parce que moi, j'ai des dossiers, mais on va pas parler. Anyway. C'est ce qui était dit. J'en marre, on va parler de ça. C'est vrai que j'ai eu deux fiancés. Ouais. J'étais fiancée aux États-Unis. Mais parce qu'on parle de Mike Tyson, non, on parle non, de Mickey. Non. Dans le reportage. Attends. C'est... Bah non, mais non, bah, c'est super important, c'est quand même ma vie. Justement, c'est pour ça que je pose la question. Ok. T'es pas là. Quoi que tu m'as appelé après, mais c'était pas ça. T'as pleuré. Ouais, en tout cas dans la gorge, c'était bourré d'émotions. Après, je sais pas ce qui s'est passé au niveau des yeux, mais ouais, parce que. moi, c'était. Rien n'est synchro, alors it's always like. Franchement, ma meilleure drogue, quand je vais vous donner mes secrets, c'est vrai que je suis à 5 cafés par jour. Je suis bourré d'émotions et j'aime bien 2-3 coupes de champagne. Ah. Mais pas tous les jours, parce que ça fait grossir. Voilà, mais pas de drogue, je prendrai jamais de drogue. Et la meilleure drogue, moi je crois que je suis née dedans, et la meilleure drogue, je pense que c'est l'ambition, le courage, la volonté. Pourquoi vous rigolez, mademoiselle? Vous en voulez? Ah oui, vous en avez besoin, on l'applaudit, il faut lui donner du café. Au lion! Allez, on...